aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être la toute dernière vidéo sur le cheval aux plumes. On va l'encadrer aujourd'hui. Alors l'encadrement va être très très simple aujourd'hui. J'ai repris un cadre, je vous montre. Voilà, comme ceci. C'est le même que le cadre de la fée, mais en noir. Voilà, il n'y avait plus en blanc, donc je l'ai pris en noir. Donc toujours avec le passe-partout. Et là, donc j'ai dit, il va être très très simple parce que là, la dimension va être bonne. Voilà, Fifi qui passe, comme d'habitude. Branche ta queue. Voilà. La dimension est plus petite que celui de la fée. Donc, ça va être très simple à faire. Et je vais juste mettre du double face sur le tour et poser le passe-partout dessus. Et voilà, il sera encadré. Ça va être ça va aller très très vite. Donc, là, je n'ai pas besoin de couper, j'ai besoin de rien faire. Donc, ça va me prendre quoi, 5 minutes, bon, un peu plus. Et comme ça, vous verrez le résultat à l'encadrement. Bon, là, vous voyez la tête de mes mères. Ma Fifi, tu dormais, hein? Tu dormais pourtant. Allez, je vais baisser le téléphone pour que vous voyez ce que je vais faire. Donc voilà, là je l'ai mis sur l'envers, j'ai déjà déballé, j'ai déjà remonté les petits pics, hein, les petites pinces. Donc ça, je vais le mettre sur le côté. Voilà le passe-partout. Et ça, je vais le mettre sur le côté le temps que je fais sur le passe-partout. Donc là, je vais prendre du double face comme ça. Hein. Donc c'est du Tesa. Donc ça, vous le trouvez en bricolage. Et donc là, j'ai juste à le mettre au bord du dessin. J'ai un ciseau, voilà. Je vais coller sur la table. Voilà. Colle. Je vais mettre un petit bout en haut. Et un petit bout en bas. Non, range ta queue. Parce que si tu vas mettre ta queue sur le scotch, voilà. Donc
Donc là, il ne nous reste plus qu'à enlever la pellicule. En bas, j'enlèverai après. Alors, le plus difficile, c'est ça, c'est d'enlever la pellicule. Voilà. Ah, j'ai dû couper mes ongles, alors maintenant j'ai plus d'ongles. Va, je me demande si ça va. Il ne me reste plus que la dernière. Vous voyez, là, cette fois-ci, ça va vraiment très, très vite. Hein. Voilà. Montre. Donc maintenant, je vais couper ce qui dépasse. Enfin, je vais essayer. Bon, ça ne veut pas. Donc c'est rien, on va le plier. De toute façon, c'est du double face, donc ça collera quand même.
Voilà. Maintenant, je peux reprendre mon cadre. Regardez que j'ai bien le haut. Voilà. Pour la tâche surtout. Et voilà. J'ai plus qu'à refermer. Et c'est déjà encadré. Son fifi. Maman, elle va pas te blesser avec le couteau. Alors voilà, le tableau est encadré. Alors, je vais vous changer la vue. Donc voilà, voyez, ça a été hyper rapide. Donc, désolé, hein, ça reflète. Bon, Fifi, bouge, bouge, cross. Allez. Donc, voilà, l'encadrement. On voit ma télé dedans, je suis désolée. Donc, en noir, ça fait vraiment bien. Et voyez, là, cette fois, l'encadrement a été vraiment très rapide. Ça ressort vraiment bien dans le noir. Voilà, voyez. Oh, vous me voyez. Voilà, je vais vous mettre des photos en essayant de ne pas faire de reflets sur les photos. Je trouve vraiment super joli comme ça avec un encadrement noir. Voilà. Donc, vous voyez, là, ça a été super simple. Il n'y a pas une découpe à faire, rien. Donc celui-là d'encadrement, alors c'était une taille, au cas où vous feriez ce tableau. Alors j'ai pris un 30-40 et le passe-partout faisait 21/29,7. Voilà. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous voyez, malgré qu'il y a des grosses perles ici, vous voyez, ben, il n'y a aucun problème au niveau de la vitre. Donc voilà. Donc voilà, vous aurez eu une petite vidéo aujourd'hui pour l'encadrement de ce tableau, enfin de ce kit. Ben, j'espère que ça vous aura plu. Là je vais le mettre certainement au mur demain, la fée aussi va aller au mur demain. On a mis, vous voyez ici, donc là je vous l'ai mis en photo dans la communauté sur ma chaîne tout à l'heure. Donc on avait mis le cadre que mon mari a terminé, donc je pense que les deux petits cadres vont venir là aussi au-dessus de l'aquarium, parce que là on n'a pas fait de trous. On n'a pas mis de clous ni de vis. On a mis avec... alors, je ne sais pas si je l'ai sous la main. Attendez. Je regarde. Ah non, je ne sais pas où il est. Non, je suis désolée. Je ne sais pas où est-ce qu'il les a rangés. On a acheté des adhésifs double face, pas les 3D, hein, il y a la marque 3D, là c'est la marque Tesa qu'on a pris, pas Tesa, Patex, oui la marque Patex,
Et donc, c'est des rectangles adhésifs spécial tableau. Donc, un adhésif, ça supporte 2 kilos. Et donc, nous, on en a mis 4, hein, sur chaque coin. Et là, donc, on peut les retirer, il n'y aura aucune trace sur le mur. Donc, c'est tranquille parce que nous, c'est des murs en béton et c'est de la bourre, vous savez, c'est les anciens murs. Nous, c'est une maison des mines. Donc, c'est les anciens murs avec de la bourre. C'est comme, comment, c'est de la paille mélangée avec, je sais plus, avec du ciment, avec des. Donc, quand on met un clou dans le mur, ben, soit ça tient ou soit ça tient pas. On a eu le tour dans la pièce à côté, on avait mis des étagères et les étagères, ouf, elles sont tombées toutes seules. Non, bouge. Donc là, c'est pour ça, sur ce mur-là, on ne mettait rien et on a trouvé ces adhésifs. Il faudra que je regarde demain. Je demanderai à mon mari demain où est-ce qu'il les a rangés. Et je vous mettrai une photo dans la communauté pour que vous voyez ce que c'est. Comme ça, si ça vous intéresse. Donc, on les colle vraiment ici. Là. Donc, moi, j'en ai mis deux là et deux en bas, hein, pour le grand cadre. Là, c'est ce que je vais faire aussi, hein, de toute façon. Je vais en mettre deux en haut, deux en bas, comme ça je suis tranquille. Et ça coûte, il y en a 10 dans le paquet, c'est 4,99 €. Donc ça va. C'est beaucoup moins cher que les 3D. Vous savez, les languettes, que quand on les enlève, faut tirer très très beaucoup dessus et puis ça se retire. Mais là, ça coûte très très cher cela. C'est dans les 15 €. Donc, on a trouvé cela tout à l'heure au magasin de bricolage Hubo. Mais bon, je pense que dans les autres magasins, ils en ont aussi, les autres magasins de bricolage. Mais demain, je vous mettrai la photo dans la communauté. Voilà, comme ça vous l'aurez, et puis si ça vous intéresse, comme ça si vous voulez en trouver, ça évite de faire des trous partout dans les murs. Donc voilà. Arrête Fifi, tu mets des poussières partout. Donc voilà. Alors aujourd'hui, donc c'était ça. Je vous le remontre, je vais vous le mettre en photo. L'encadrement. Donc là maintenant, il me reste à faire le comment? L'arbre de l'hiver. Voilà, je vais terminer ma cascade. Après la cascade, j'attaque le Johnny Hallyday, voilà, qui est aussi de la boutique My Petit James. L'arbre de l'hiver, c'est aussi de la boutique My Petit James. Voilà. Et là, par contre, l'arbre, je ne vais peut-être pas l'encadrer tout de suite, parce que du coup, je voudrais avoir les quatre arbres, et comme ça, je voudrais avoir les quatre mêmes encadrements, les mêmes cadres plutôt. Et comme je les achète à Action, et qu'à Action, des fois, quand il n'y a plus en stock, des fois, on ne trouve plus le même modèle. Donc, je vais attendre d'avoir fait les quatre pour acheter les cadres là, pour les arbres. Donc, quand j'aurai fait l'arbre, je ne vous montrerai pas tout de suite l'encadrement. Voilà. Bon, j'arrête de blablater ce soir. Et je vais vous faire des gros bisous. Et demain, il y aura une vidéo. Ce ne sera pas sur le diamond painting. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Il faut changer un petit peu de temps en temps. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez ce que c'est. Voilà, je vous laisse la surprise. Allez, je vous laisse pour ce soir. Je vous fais d'énormes bisous.
Je fais encore un gros bisou à Coralie, un grand merci pour ces kits de Diamond Painting. Et je vous rappelle qu'il y a toutes les coordonnées de Coralie en barre d'infos, sa page Facebook, sa boutique, le lien pour avoir ce kit, voilà, et également le code promo pour vous bénéficier de 10% sur votre commande, si vous commandez sur sa boutique. Voilà, allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, bisous bisous.